Before streaming, the industry was already transforming art into a product of mass consumption, encouraging artists to create a monopoly. The term music industry implies that art is created in huge quantities like cars built on mass AI.
de la lutte en permanence. Il faut que je l'emporte sur l'autre, il faut que je sois premier, il faut que je sois compétitif. C'est absurde, parce que ça ne m'aboutit qu'à des catastrophes, c'est ce qu'on est en train de vérifier. Et je me demande pourquoi on s'y maintient quand même. Oser dire à un enfant, j'espère que tu seras premier, mais je pense que c'est un crime. D'abord, c'est une stupidité, parce que la notion de palmarès n'a aucun sens. Et surtout, ça va amener l'enfant à lutter prétendument pour se faire, mais avant tout, avec comme objectif de l'emporter soi. C'est ça qu'il faut complètement stopper. On peut très bien s'apercevoir qu'une société pourrait être construite sans compétition.
front meet real people. The country clubs and the cocktail parties are not real America. The millionaires and billionaires are the exception to the rule. The millionaires and billionaires are the exception to the rule. We'll be right back.
Bonsoir. Merci beaucoup. On s'appelle Bruit. On est super heureux d'être là ce soir. C'est un peu particulier ce soir parce que c'est notre dernière date française. Donc il y a une certaine émotion de finir cette tournée en France avec vous. Enfin, on va en faire encore quelques dates dans le nord de l'Europe, mais c'est toujours pas pareil quand c'est pas à la maison. Quoi dire? On a commencé à ce groupe avec cette formation-là et cette dynamique-là il y a 2-3 ans. Et comme vous tous, on a passé des périodes sombres pendant ces 2-3 dernières années. Des périodes qui nous ont changé profondément, des épreuves qui nous ont tous parfois perturbés, parfois modifiés, parfois questionnés sur le sens des choses. Et pour nous, la musique est avant tout une thérapie, même si chacun, on a aussi fait la musique comme un métier. Et ce projet a toujours été un projet qu'on faisait à côté de nos métiers, comme une thérapie. Et on le fait parce que c'est essentiel pour nous et que ça nous permet de donner beaucoup de sens personnel, en tout cas, à notre pratique de la musique. Et en fait, on pensait très sincèrement sortir un album, que ça plaise à nos potes, jouer sur Toulouse et passer au suivant. Pas du tout. On a été hyper surpris et hyper heureux de voir l'accueil qui a été réservé à cet album. Hyper heureux d'avoir pu partir sur la route pour 30 dates, puis 40, puis 50, puis 60. Et si la musique qu'on fait a du sens thérapeutique pour nous, le fait de voir qu'il y a des gens qui viennent au concert, comme vous, ben ça fait qu'on se sent moins seul dans ce qu'on a à extérioriser. Donc merci pour ça. Vous le méritez. On se sent super chanceux et privilégié de pouvoir vous avoir ici et de pouvoir être libre sur scène avec cette écoute ultra chaleureuse et très attentive. Même si on s'appelle Bruit, on prend votre silence d'écoute comme un cadeau. Et je tenais à vous le dire parce que ça représente beaucoup pour nous. Voilà. On était aussi heureux d'être ici avec Kos, qui est un groupe incroyable. On a eu la chance de vous faire en avant-première l'album qui va sortir en janvier. Je vous jure, c'est un chef-d'œuvre. Donc, suivez-les sur les réseaux sociaux et soutenez-les. Ils ont un grand avenir devant eux. Et bientôt, nous ouvrirons pour eux, probablement. Merci à Matt Lumière. Merci également à Romain aussi. Plein de gens dans la salle que je devais remercier et je ne pouvais pas pouvoir le faire, mais ils se reconnaîtront. Des gens sans qui on n'aurait pas pu faire ce projet et sans qui on n'aurait pas pu partir sur la route. Évidemment, je pense à toute l'équipe de Radical, à toute l'équipe de La Tanière, d'Heidi Wright. Donc merci à eux. Merci à eux. Sans vous, on ne pourrait pas faire ça. Après le concert, on sera dans le petit espace merchandising qui est à ma gauche, là, qui est une espèce de petit couloir. On adore pouvoir échanger avec vous. On a aussi quelques petits goodies à vendre. Mais dans tous les cas, vous rencontrer, comme je dis, est très important pour nous aussi en dehors de la scène. On va terminer ce concert avec un morceau qui porte le nom de notre premier album, qui s'appelle « The Machine is Burning ». Et voilà, qu'elle brûle encore. Merci.
Thank you.